Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous cherchez une recette facile, rapide, faite maison et vraiment très très bonne, c'est la recette qu'il vous faut. Je vous propose de préparer un hoja aux crevettes. C'est parti, je vous montre. Alors pour préparer cette recette, il vous faudra une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poudre de piment fort, mais ça c'est facultatif. Une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café et demie de sel, une cuillère à café de table curry et une cuillère à café d'harissa, pareil c'est facultatif. Des crevettes évidemment, du concentré de tomate, des œufs, un mélange de persil coriandre, mais si vous avez seulement du persil, vous pouvez mettre seulement le persil. Un oignon coupé en petits morceaux. Et évidemment, de l'huile d'olive. Ici, moi, j'ai pris de l'huile extra vierge, elle est vraiment super pour cuisiner. Dans une casserole, on va venir faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Et on va venir y faire revenir l'oignon. Une fois que l'oignon est revenu, on va venir ajouter le concentré de tomate. Et on va bien remuer pour que le concentré de tomate commence à cuire avec les oignons. On va venir ensuite ajouter toutes les épices et de nouveau bien remuer. Je vais venir ajouter les crevettes et je vais de nouveau bien mélanger pour que les crevettes s'imprègnent du concentré de tomate et bien sûr des épices. On mélange bien le tout et on met ça sur un feu moyen pour éviter que ça brûle. On va venir ajouter l'équivalent de 2 verres d'eau de taille moyenne, donc pas trop peu non plus. Il faut que ça fasse une sauce avec le concentré de tomate. Et bien évidemment, on mélange bien le tout pour que le concentré de tomate se dilue avec l'eau. N'hésitez pas à faire comme moi, à mettre l'eau petit à petit et en plusieurs fois pour bien vérifier la consistance. On va laisser mijoter ça à feu moyen et à couvert en venant remuer de temps en temps. Une fois que l'huile commence à remonter sur le dessus, je vais venir écraser 2 gousses d'ail. Et je vais venir casser mes œufs sur le dessus en faisant bien attention de ne pas casser le jaune. Une fois que j'ai mis les œufs, je vais venir recouvrir et je vais laisser cuire encore 2-3 minutes grand maximum. Les œufs sont très vite cuits. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. Donc on voit déjà que les œufs sont bien cuits et on va venir mettre au-dessus le mélange persil-coriandre.
Et voilà, cette recette tunisienne express est terminée. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la recette en commentaire. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous !